Le Courrier Picard, qui est le quotidien régional emblématique de la Picardie, avec un peu plus d'une centaine de salariés qui se trouvent ici au siège où nous sommes. L'un des derniers faits marquants est le déménagement de nos locaux en mai l'année dernière. Suite au réaménagement et à la demande de nos collaborateurs, nous avons mis en place cette table de ping-pong. Le ping-pong, c'est un loisir universel. Tout le monde joue au ping-pong, beaucoup pensent qu'ils sont bons au ping-pong. Aujourd'hui, on ne vient plus simplement au travail pour s'épanouir intellectuellement ou un salaire, mais aussi pour un cadre de travail sympathique et convivial. Qu'on soit âgé, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit... Donc, je pense que c'est le sport qui est accessible à un très grand nombre de personnes. L'objectif, c'était effectivement de favoriser les échanges entre les différents services et donner l'opportunité à certains collaborateurs de rencontrer d'autres collègues. On a pris une table Cornio parce que c'est une société picarde et c'est très réputé, très répandu dans le milieu des tables. C'est une marque qui est très bien installée et qui a une très bonne notoriété dans le monde du ping-pong, donc ça nous a semblé évident à la fois de faire travailler une entreprise régionale et bien sûr avoir du matériel de qualité pour nos salariés, quoi.